بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، أصدقائي صديقاتي، أعدائي عدواتي، مزلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous accorde la guidée de l'islam. Ce rappel vous servira, inshallah, quand vous ferez les premiers pas vers l'islam. Donc gardez-le dans un coin et vous allez un jour ou l'autre le comprendre, inshallah, mes frères qui sont encore non musulmans. Un frère, qu'Allah le bénisse, me dit: Salamu alaykum, frère Abu Umama. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Habib. Plutôt que de faire une vidéo de 50 minutes où tu ne contredis pas XXX, c'est moi qui mets le XXX. Gardez toujours à l'esprit que quand il m'arrive, ce qui est extraordinairement rare, c'est peut-être la première fois, de répondre à quelqu'un, je fais exprès de ne pas donner son nom, et ça ne m'intéresse pas que X ou Y vienne poster son nom sur la vidéo. Ça ne m'intéresse pas, ça n'a aucun intérêt. Je réponds à une typologie de personnes pour les musulmans et les musulmanes. Garde toujours à l'esprit que je réponds à une typologie de personnes qui répètent les mêmes choses, qui n'inventent rien, qui ne viennent pas avec des choses nouvelles. Ça répète les mêmes choses qui sont là dans la poubelle de l'histoire culturello-musulmano-sectaire. D'accord? Donc, je remplace par XXX. Il me dit, le frère, plutôt que de faire une vidéo de 50 minutes, 50 minutes, où tu ne contredis pas XXX, avec des preuves sur ce qu'il avance, pourquoi ne fais-tu pas un débat avec lui? Très bien. Ya Habibi, venir en entrée de jeu, insulter des savants de l'islam, tu me proposes de contredire sur quoi? De dire quoi? Mais tout le monde est unanimement d'accord que n'importe quel humain commet des fautes. Très bien. Maintenant, tu me demandes de faire un débat, ou de contredire, ou d'échanger. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas ça le problème. Mais j'ai appris, crois-moi, que je ne suis pas né de la dernière pluie, que celui qui excelle dans le mal, et celui qui a comme objectif, malheureux, le sectarisme, il excelle finalement dans l'art. D'accord? Donc, qu'est-ce que je suis, moi, petit, rien du tout, à côté de ces montagnes, mashallah, qui excellent dans cet art? Ça me rappelle que j'ai été invité par une chaîne de chiites à venir débattre. Dans la tête de la chaîne et dans leur volonté, est-ce que le but est de trouver le haqq? Là, comment tu le sais, Mustapha? Je suis un peu plus expérimenté que toi, peut-être. Donc, si toi tu cherches le haqq et tu te déploies pour prioriser le haqq, la vérité absolue, c'est quoi la vérité absolue? C'est de dire aux non-musulmans, viens à l'islam. Et dire aux musulmans, arrête ton sectarisme et reviens à l'islam toi aussi. C'est ce qui m'engage, moi. C'est ce qui me fait courir
Et c'est ce qui me fait avancer. Donc je n'ai aucun intérêt et je n'ai aucune énergie, d'accord, à consacrer à une multitude de personnes qui vont sortir et qui sont déjà sorties, qui n'ont pas le même objectif, malheureusement. D'accord? Si, Habibi, je vois des frères, mashallah, qui font de très bons dars, de très bons cours, mashallah, de très belles recherches, pour répondre, naam, aux erreurs, aux interprétations, ou à un système de pensée, même qui est présenté par un savant. Je les vois, mashallah, tu vois en eux, tu sens l'hamdoulilah et tu ressens que leur seul objectif, c'est de dire, c'était une époque, c'était un contexte donné, voici aujourd'hui la vision qu'on peut développer à partir des bonnes trouvailles intellectuelles de ces savants, et voici les leçons à tirer des erreurs ou des choses que nous, dans le contexte actuel, on peut prendre comme erreur. Ça, c'est beau. Ça, c'est sain. Ça, c'est serein. D'accord? Donc, mon problème à moi, c'est pas de dire ne parle pas de X ou Y. Je dis non, il faut savoir avoir un minimum de respect. Il y a un minimum de connaissance de soi. X répond à Y, ça pose pas de problème. D'accord? X répond dans l'approfondissement de la science à une montagne de science, là, à la vie. Gardons un minimum de respect. D'accord? Donc, garde-le toujours à l'esprit, mon frère, que ce qui m'intéresse, moi, c'est inviter le non-musulman à l'islam, inviter le musulman à sortir de son sectarisme pour revenir à l'islam. Je n'aime pas, par principe, parler de frères, contredire des frères, dénigrer, ça ne m'intéresse pas, Habibi. Regarde les cinq, allez, si tu as vu dans les 50 minutes un dénigrement, c'est que tu n'as rien voulu voir, ou c'est que tu ne connais pas le personnage. Donc, je t'invite, Inch'Allah, à essayer de me connaître un peu plus. D'accord? Ça dure 50 minutes, ça dure 2 heures, ça dure 3 heures, je sais que, alhamdoulilah, au moins une personne dans le monde va être touchée par ce rappel. On parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure, ça c'est vrai, parce qu'ils font parler d'eux, mais on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Alhamdulillah, la majorité écrasante de nos frères et de nos sœurs aiment ce type de rappel que tu trouves peut-être toi long. Non. Tu trouves peut-être ça coule de source. Non. Mais non, ça ne coule pas de source chez d'autres, qui ont besoin d'approfondissement, qui ont besoin qu'on leur explique et leur explique et leur explique. Et qui ont besoin de messages subliminaux à chaque fois pour qu'ils commencent à se poser et à se positionner. Toujours en gardant à l'esprit qu'il y a un strict minimum de comportement et de valeur dans l'islam à avoir quand on est quelqu'un qui se présente musulman, qui se prétend musulman. Mais quand on est dans la da'wah, dans la prédication, raison de plus d'avoir un minimum. Tu me dis, qu'est-ce que je vais contredire chez quelqu'un qui insulte à ce point? Tu n'insultes même pas le kafir avec ça. Je vais débattre quoi avec lui? Quelle durée, hein, va prendre un débat avec quelqu'un qui, en entrée de jeu, traite méchamment et injustement des gens? Et c'est pas n'importe quel type de personne. D'accord? Et je te dis, moi je suis petit à côté de ces gens-là. Parce qu'ils excellent dans leur art. Il y a quoi à faire avec eux. Maintenant, si toi, tu cherches le haqq, je t'informe que ton frère Abu Umam consacre beaucoup, beaucoup d'heures à des frères et des sœurs, surtout des frères qui veulent débattre. Et qui posent des questions sur ses rappels. Et qui posent des questions sur des problématiques diverses et variées. Et je prends mon téléphone, Abu Umam, abououmam@hotmail.com, tu m'envoies un message, si tu cherches le haqq, quelle que soit la personne, quelle qu'elle soit, d'accord? Elle cherche le haqq, elle m'envoie un message, elle attend quelques jours. Si elle voit que je ne réponds pas, elle me relance. Et alhamdoulilah, je l'ai fait. Il y a des gens qui te diront. Il y a des gens à qui j'ai consacré 2 heures. Il y a des gens à qui j'ai consacré 5 heures.
Et il y a d'autres que je consacre en moyenne une heure et demie. Alhamdoulilah. C'est vraiment dans mon quotidien. Sur n'importe quel sujet. D'accord? Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que la personne cherche le haq, alhamdoulilah, à la fin, il est comblé. Et je suis comblé par sa recherche du haq, et on trouve le haq, alhamdoulilah. Et on avance vers le haq. Et l'idée, c'est quoi? De m'améliorer moi. Et que toi, tu t'améliores. D'accord? Mais il y a un loin débat. Donc, avec des preuves, il me semble que notre communauté a besoin de ça, car chacun parle à droite, à gauche, mais peu échange, et c'est cela, déjà, le gros point faible des musulmans. Non. Le point faible des musulmans en France, c'est qu'ils ont oublié l'islam. Et c'est qu'ils n'ont rien à voir avec le strict minimum du comportement islamique. Il y a des adabs minimalistes, de début. Le balbutiement. D'accord? C'est vraiment l'abjadiyya, l'alphabet. Il y a des adabs à avoir. Si tu ne les as pas, va apprendre sur toi-même et va te réformer. D'accord? Quel que soit ton niveau de science, si tu n'as pas ces adabs-là, il n'y a rien à faire. Il y a un adab avec les musulmans. Ce frère-là, le X, je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Et wallah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il priorise le plus important aujourd'hui. Dans un monde où des gens quittent l'islam avec une simplicité étonnante, subhanallah. Quand tu vois des gens qui inventent des paroles pour imiter le Coran, quand tu vois des gens qui, d'origine musulmane, qui disent qu'ils sont Dieu lui-même, quand tu vois nos jeunes goûter et boire à l'athéisme à longueur de journée, quand tu vois des musulmans délabrer les pauvres, de par leur éducation, de par leur manière de voir les choses, de par tout ce qu'ils ont bu comme malheur, et subhanallah, les musulmans, ils viennent dans la da'wa, la prédication, pour toujours avec les mêmes mensonges. C'est à cause des erreurs de ces gens-là qu'on paye nous aujourd'hui. Faux, mensonges. Mensonge. Coran est clair. Telle ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. C'est une umma qui est révolue. Fini. Il est parti. Elle a œuvré. Et donc elle sera récompensée pour ce qu'elle a fait. Et on lui tiendra rigueur pour. Elle paiera. Elle rendra des comptes pour ce qu'elle a commis comme erreur. Wa lakum ma kasabtum. Et vous aussi. Vous avez accompli des choses. Et on ne vous posera pas des questions sur c'est révolu. Je ne paye pas moi aujourd'hui ce que d'autres ont fait là. Arrêtez de mentir. À vous-même en plus. Et de croire en mensonge. Donc on vient avec cette manipulation satanique détruire des gens. Apprendre à la jeunesse l'irrespect. Et c'est pour ça aujourd'hui, ils n'ont plus de respect pour quoi que ce soit. On s'étonne aujourd'hui d'âge. On s'étonne de ce qui se passe dans le monde. Mais c'était step by step. Khutuwat shaytan. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Sauf ceux qui ont eu la miséricorde d'Allah. Ils n'ont plus de respect pour qui que ce soit, pour personne. Donc tu vois, il y a tellement de priorités que nos petits gamins qui se prennent pour des prédicateurs aujourd'hui viennent et ils font des tonnes et des tonnes de choses pour massacrer des hommes et qui ont eu un khayr sans limite, subhanallah, dans le monde. Et le khayr continue à nous porter et à nous transporter aujourd'hui. Encore des siècles et des siècles après leur mort. D'accord? Donc le problème est mal posé, Habib. Maintenant, si tu cherches le haq, toi, bismillah, wa lastu bihallal tila'i maqafat. Walakin mata yastarfi lil qawm marfidi. Bismillah. D'accord? Bismillah. On va entendre ton numéro de téléphone, bismillah. Je te consacre une nuit entière. Avec plaisir, avec bonheur, quel que soit ton niveau. Quel que soit ton bagage scientifique, avec plaisir, avec bonheur. Et je t'étonnerai, Inch'Allah. Pourquoi je t'étonnerai? C'est que tu verras que c'est le haq. On cherche le haq. On veut le vivre. On veut s'imprégner du haq. On veut le faire jaillir sur le monde. On veut vraiment prioriser les choses dans un contexte délicat et difficile et tordu
pour inviter les gens à l'islam, à sa beauté, à sa grandeur, qu'ils soient musulmans. Malheureusement, qu'ils sont sectarisés dans des systèmes de pensée pourris ou qu'ils soient non musulmans. C'est ça l'objectif principal. Le reste, je viens débattre, tu viens débattre. C'est un art que j'aime, hein, qui me passionne. Non. Mais à un moment donné, on le fait avec des gens qui montrent un minimum de volonté de recherche du haqq. Un minimum. Et de propagation du haqq. Donc non, le problème des musulmans de France aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam et qu'ils doivent apprendre, inshallah, pour vivre des akhlaq et des adab. Tout le monde a la vérité et se dénigre, mais personne, ou peu, font de vrais débats. Chacun avec ses arguments et ses preuves. Qu'Allah m'en soit témoin, ces comportements du style mis en garde ne font plus de mal que de bien et sont enfantins. Mais les koufars débattent et nous, on se tire sur les pattes avec des mots, ensuite avec des balles, subhanallah, on est tombé vraiment bas. C'est beau! Je sais le dire moi aussi ça. Hein? Et je n'ai jamais cessé de le dire. Non. Mais il y a débat et débat. Il y a débat et débat. Bismillah. Lance-toi, apprends Inch'Allah et organise le débat. Sujet clair, wadih. On veut apprendre quelque chose, on veut avancer vers un haq, il n'y a aucun problème. Mais c'est passionnant ça. Fais des séminaires, nous avons assisté à des séminaires, alhamdoulilah. Nous aimons parler, je suis habitué à l'assise, où je dis aux gens, prenez la parole, discute, lance-toi, n'hésite pas, dis ce que tu veux. Avec, c'est tu cherches le haq. Le haq, la niya est sincère. Quand la niya est exagérée, et quand il y a un problème, quand tu observes vraiment le personnage, hein, et tu vois que derrière, manque de respect total. Là, là. Comme je disais, les gens de Shia ont voulu m'inviter. Malheur. Aucun intérêt. Je leur consacre 200 heures et ça ne servira à rien. D'accord? Et ils excellent dans le mal, malheureusement. Donc il n'y a rien à tirer. Vraiment rien. Maintenant, le problème des musulmans, c'est qu'ils ne débattent pas. Les musulmans, tout au long de l'histoire musulmane, débattent. Hein, et avancent, et échangent. Et ils s'apprécient même dans la divergence, quand ils ne sont pas sectarisés. Alhamdoulilah. Mais il y a divergence et divergence. Hein, je veux débattre avec quelqu'un qui insulte, qui dénie. Maintenant, prends des points. Bismillah, toi. Fais-le. Prends des points. Claire. Prends des livres. D'accord? Prends des livres. Prends des penseurs et des savants. Résume la pensée sur Ibn Taymiyyah ou contre Ibn Taymiyyah, contre Mohammed Ibn Abdel Wahhab, contre Al-Albani. Eh bien, on discutera, je t'étonnerai, Inch'Allah. Avec plaisir, avec bonheur. Mais derrière, respect pour ces gens. Toi-même, tu dis que c'est dommageable, déplorable que chacun dénigre. Mais tu penses que mes 5 minutes, c'est pour dénigrer? Bah regarde-les encore, revois-les. Wallah, tu as besoin de les revoir. D'accord? Mais des gens simples, et tu souffres quand tu vois que ça dénigre. À mort. Pourquoi je combats les matralistes? Pourquoi? Pourquoi je les mets en premier à chaque fois? Pourquoi? Parce qu'ils basent tout leur système de pensée sur quoi? Voir le mal en les autres, dénigrer, rabaisser, mettre en quarantaine. Ils mettent en garde. C'est-à-dire, ça, c'est la secte des sectes. Et il n'y a pas eu pire. Ça n'existe pas, ce problème. Là, c'est un système de pensée extraordinairement complexe qu'il faut continuer, rabâcher, continuer. Pas de répit avec eux. Et alhamdoulillah, on voit que ça donne des résultats. Qu'est-ce qu'on demande aux gens finalement? Quitte cette manière de faire et sois musulman. Et tu seras étonné de l'islam. Et tu seras émerveillé. Et tu dépassera l'entendement, hein, par le khair que tu vas apporter à ton contexte. D'accord? Mais là, qu'on s'avénire des savants avec irrespect total. Les kulli maqamin maqal. La personne qui m'a posé la question, Habibi, ne m'a pas dit, qu'est-ce que tu penses, toi, avec tout ce que tu as appris, de ce que disent les ulama, des ulama sérieux, sincères, qui cherchent le haqq, des travaux sur tel point de tel savant. Je peux avoir mon avis, moi aussi. C'est pas haram, c'est pas interdit.
Pas de problème. On peut, même à l'époque des Sahaba, des gens leur ont montré qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Et les Sahaba l'ont bien pris. Pas de problème. Mais si chaque personne qui ouvre sa bouche, et Dieu sait qu'ils sont infinis, subhanallah, et ceux qui cherchent le khair sont infiniment, infiniment finis, petite minorité. Si à chaque fois qu'une personne ouvre sa bouche, malheureuse, pour recracher les poubelles qu'on connaît, qu'on maîtrise par cœur, alhamdoulilah, et moi je dois débattre avec lui, je m'en sortirai pas, habibi. J'ai toujours dit, dommage qu'il n'y a pas 1000 heures par jour. Dommage qu'il n'y a pas 1000 heures par jour. On consacre tout notre temps, on n'a pas de vie, alhamdoulilah, qui ressemble aux vies des communs des mortels, et malgré ça, on n'arrive pas à trouver du temps. D'accord? Maintenant, à chaque fois que tu trouves une chose intéressante, à chaque fois, je dis même, tu me prends, s'il te plaît, les 5 personnes les plus brillantes de ton entourage, et qui ont des choses sur lesquelles ils veulent débattre, pour le haqq. Trouve les meilleurs, l'élite de l'élite que tu connais. Envoie-moi, que chacun d'eux m'envoie son numéro de téléphone. Allô? Des heures et des heures, avec grand bonheur. Et tu enregistres ça, presque, Inch'Allah. Avec bonheur. Mais, hop, s'il te plaît. L'autre jour, je voyais un hein, qui a appelé Bajrafi. Tu vois la bassesse. Donc, il a lancé une sorte de débat avec Bajrafi. Bajrafi, en prenant en compte tout ce que vous pouvez dire sur Bajrafi, hein, tout ce que vous pouvez penser de ce frère, tu sentais, subhanallah, que Bajrafi cherchait le haqq. Et tu sentais que l'autre était là pour le mal absolu. Et il ne veut pas. Et après, ça a été utilisé par celui qui cherche le mal absolu, et qui vit dans le mal absolu, et qui ne voit le monde que par le prisme du mal absolu. Il était heureux de ces 20 minutes. Et il a eu Bajrafi. Ah, il l'a détruit. Eh, mais ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Allez. Là, on ne cherche plus le haqq, là. On cherche la pulsion dans notre âme satanique, à faire plaisir à la pulsion de l'âme satanique et à faire plaisir aux parasites, hein, chacal, hyène, hein, et charognard qui sont là pour tirer les pauvres et pour applaudir. Ah, tu l'as eu, hein. Ça m'intéresse pas, ça. Ça, c'est pour les gamins. Et même les gamins, je ne pardonne pas à mes gamins, mes enfants, de chercher ça et d'être comme ça. Mais mes enfants, en bas âge. D'accord? Donc, Habibi, Jazakallah pour le khair. Tu as un adab, mashallah. J'ai vu ton adab avec ton salam alaykoum. Ben oui. Apprenons à nos enfants, les pauvres jeunes d'aujourd'hui, complètement délabrés, à dire salam alaykoum. À montrer un minimum de respect. À vouloir échanger vraiment dans le haqq. Et à chaque fois que j'ai eu un mail d'une personne qui veut le haqq, hein, ou une demande d'une personne où je sens qu'il y a le haqq derrière, qu'elle est sincère, Wallahi la ilaha illahu, je lui donne le temps qu'il veut, avec bonheur et avec plaisir. Et à la fin, il est comblé. Hein, et je suis comblé, alhamdoulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, et nous accorde cette ni'ma de chercher le haqq et de le vivre, et de le suivre là où il est. Ça marche. أكرمك الله مخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.